voilà, le lookbook est terminé. Vous me direz en commentaire la tenue que vous avez préférée, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. J'étais obligée de les filles d'intervenir entre guillemets et de vous dire quand même les coups de cœur et les choses que j'ai un peu moins préférées, en sachant que franchement, vous verrez, c'est quasiment que des coups de cœur. Bon, on commence un peu dans le désordre. Donc, ce haut-là, les filles, il est canon. Quand je vous dis que c'est canon, vous pouvez foncer. Quand je vous dis bof, bah, c'est que c'est bof. Voilà. Donc, celui-ci, il est canon. Bon, il ressort pas très bien à la caméra, mais le tissu, il est fluide. Les finitions sont belles. Nickel. Sincèrement, nickel. Je le kiffe. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc, ça, je vous le recommande à 100%. C'est un tissu, mais il est super. Il est nickel, franchement il est trop beau. Voilà, donc ça je recommande. Ensuite les filles, j'ai ici ce haut. Alors, ce haut en fait c'est un body. Et j'avais vraiment envie de le prendre, je me suis dit voilà. Vous voyez, c'est le genre de truc, vous pouvez mettre ça si vous êtes entre nana ou pour, je sais pas moi, un dîner romantique ou je sais pas trop quoi, comme ça seul. Si maintenant vous voulez le porter modestement, bah écoutez, je vous ai proposé une petite tenue. J'ai mis un sous-pull en dessous, une belle petite jupe et franchement il est canon, il est trop beau, voilà. Voilà, avec une tirette derrière. Ça... ça, avec un pantalon taille haute aussi, palazzo, c'est super joli, franchement. Voilà, donc ça aussi, les filles, je vous recommande. Ça, j'ai pris une taille S. Il est super beau, sauf qu'il est, il taille un peu trop grand. On va dire que c'est un 38, c'est pas un 36, mais je le trouve vraiment trop trop beau. Je l'ai trouvé trop. Dommage qu'il ait un chouïa. C'est vraiment un chouïa. Hein. Pour moi c'est un 38, c'est pas vraiment un 36. Alors ça les filles, quand je l'ai pris je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ça. Et finalement bah, écoutez, j'ai mis ça avec une robe noire. Et je trouve que ça fait super joli. Avec une petite ceinture, c'est juste trop trop beau. Voilà, vous entendez Haroun, il est derrière hein. Donc ce haut là les filles, j'avais le même en rose. Bah écoutez, je l'ai pris en noir parce qu'il est top, il est trop beau. Ça donne tout de suite un effet chic à une tenue. Et voilà, rien à dire. Franchement tous ces articles là pour le moment que je vous ai montré, il n'y a rien à dire, ils sont juste top. Ah, le soleil revient. Un autre coup de cœur, cette veste elle est canon. Elle est trop canon, bien sûr j'ai tout repassé, hein, tout a été repassé et tout. Elle est canon, je vous la recommande, elle est trop belle. J'ai pris taille S, super bien taillée, le tissu, les finitions, tout est nickel. Cette veste aussi, je l'ai prise et franchement je me suis dit bon on verra. Et elle est trop belle, elle est canon. Elle est aussi canon, la longueur elle est nickel. Je sais pas, j'ai pris quoi comme taille puisqu'il n'y a pas d'étiquette. Mais franchement, je crois que c'est une taille S. Elle est juste top, elle est trop belle. Alors ce haut aussi, franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Il n'y a pas d'étiquette. Est-ce que j'ai pris une taille S? Je l'aurais... Enfin, s'il y a des tailles, je vous le recommande. Je vous recommande de prendre un tout petit peu... Enfin, taille M, vous voyez. Il est nickel, mais je trouve qu'il me va juste... Ouais, c'est pour un 36, vraiment un 36. Si vous faites un 38, prenez une taille M. Mais il est canon, il est vraiment trop joli. Il est vraiment trop joli. Bien sûr, hein, il est transparent, hein, j'ai mis un sous-pull dans la vidéo. Mais il est canon. Rien à dire. Rien à dire. On va continuer avec des chaussures. J'ai pris deux paires de chaussures. Bah écoutez, je les ai portées dans la vidéo. Elles sont super belles. Sauf que, bah écoutez, la tirette, j'ai fait une bêtise. Je sais pas, j'ai tiré trop fort et je l'ai bloquée. Donc j'ai galéré à retirer la chaussure, mais je vais essayer de retirer l'embout. Ça, c'est de ma faute. Hein. Mais bon, je pense que c'est de ma faute. En même temps, c'est pas de ma faute. Ils auraient pu faire des tirettes un peu plus qualitatives. Mais sinon, elles sont belles. J'ai pris en taille 39. Et alors, celles-ci, regardez-moi ces petites babouches. Elles sont trop mimi avec leurs petits talons comme ça. Canon, j'ai pris ça. Sont pas très bons, mais elles sont jolies. Alors, je voulais vous montrer deux ceintures. Hop là. Ok. Je voulais vous montrer deux ceintures. Alors, la première, c'est celle-ci. Je ne l'ai pas portée parce que je verrai avec quoi je vais la porter. J'ai vu ce type de ceinture chez Zara. Voilà, coquillage, machin. Ça fait très été avec une jolie robe ou une jupe, vous voyez. Et alors, celle-ci, bon, je regrette un peu. Énormément de personnes ont cette ceinture, vous verrez que dans le lien qu'il y a plein de nanas qui la portent, je la trouve super belle. Mais bon, la qualité, franchement, vous voyez, elle arrivait pliée comme ça. La qualité, ça c'est le flop de la... Non, enfin, ça c'est vraiment le... Attendez, on va la porter comme ça, on va voir. C'est pas vraiment un flop, hein, mais c'est vrai que toutes les ceintures que j'ai en général, ce sont des ceintures en cuir. Donc du coup, ben, quand je l'ai reçue, je me suis dit, what's... Finalement, ça va porter, vous voyez, ça... ça le fait, mais bon, la qualité elle est pas extra, mais bon, en même temps, le prix aussi, donc voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai un miroir, on va terminer fashion, il me reste ce pantalon, il est canon. Ça aussi, vous verrez qu'il y a plein de nanas qui le portent, franchement, il est canon. Il se repasse, hein. Je l'ai retourné et il se repasse, la coupe elle est super belle, j'ai pris une taille S. Est-ce que c'est une taille S? Yes, c'est une taille S, taille haute.
Franchement, il est trop beau. Sincèrement, les finitions, tout est nickel. Et alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est cette chemise. Ça, c'est un peu... Franchement, c'est le seul vêtement que j'aime pas trop. Elle est belle, hein. Elle est vraiment belle et tout. Mais c'est juste le tissu... Je sais pas, le... C'est juste un peu le tissu. Mais franchement, je cherche, hein. Voilà, je suis un peu pointilleuse. Mais voilà, ça par exemple, j'aurais... Voilà, comparé à ce tissu-là, il est canon. Après, sinon, les finitions, elles sont nickel, hein. Les finitions, elles sont bien et tout ça. Voilà. C'est vraiment... Je crois que c'était vraiment pour trouver un mauvais point dans la commande, mais ça passe en réalité. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer... Boum, c'est ce miroir. Miroir. Oh là, je vais faire des bêtises, je le sens. Donc, c'est un miroir comme ça. J'ai pris en... Hello. Voilà, ce miroir que vous voyez ici. Donc... Franchement, il est génial parce que vous pouvez mettre plein de produits. Voilà, vous pouvez mettre votre boxon. Moi, c'est super pratique. Bon, j'ai pas mis les piles, mais normalement, vous pouvez l'allumer. C'est du plastique, hein. Donc, du coup, vous pouvez mettre ça dans la salle de bain. Voilà. Et bah, il me fallait un miroir. Et franchement, bah, écoutez, il est pas mal. Voilà, je pense que j'ai terminé pour Sheinside. Et franchement, je suis ravie de cette commande. Vraiment. Parce que des fois, c'est comme ça. Des fois, j'ai pas trop la motivation de chercher sur le site. Parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de choses. Vraiment, énormément de choses. Et pour le coup, je vous assure que là. J'aime tout. Même ça, j'aime bien. Franchement, voilà, je chipote un peu. C'est juste que j'aurais préféré un tissu un peu... Le truc, c'est que quand j'ai essayé cette veste, cette chemise, je me suis dit, oh, elle est sympa, elle est jolie et tout. Mais quand j'ai essayé celle-ci, je me suis dit, waouh, le tissu, il est canon. J'aurais préféré un tissu comme celui-là. Voilà. Mais sinon, elle est jolie aussi. Donc, pour cette fois-ci, on valide Sheinside. Yeah! Allez les filles, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire la tenue ou l'article que vous avez aimé. Je vous laisse les liens, comme d'habitude, en barre d'informations. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.